soir, on fait des séances nocturnes. Beaucoup d'entre vous, on vous a beaucoup effrayé par rapport à vos pouvoirs dans l'enfance. Vous avez grandi en rejetant vos pouvoirs. Le temps est là. Ok? Je viens tirer la sonnette d'alarme. Vous devez vous activer. Vous devez vous réveiller. C'est pour ça que les films d'horreur, de sorcellerie vous attirent autant. Vous avez trop essayé de calmer, de faire taire le sorcier qui se cache en vous. Vous avez suivi. Il est temps il veut vous guider vers l'argent. Ils veulent vous guider vers la liberté. Mais vous durcissez. Parce que c'est anticonventionnel. Ma mère a grandi. Elle m'a élevée dans l'église. Avec les coutumes et les traditions de l'église. Maintenant, tu me parles de l'eau. La nuit, je vole. Oui, tu voles depuis que tu es petit. Dans tes rêves. Tu te bats dans le rêve. Tu combats. Tu tapes. Tu es comme un guerrier dans le rêve. Sandra, les gens de Yaoundé, vous êtes jaloux. On a fait le lavage à Douala, on a fait la fête. Oui. Tu combats. C'est un peu comme si ce qu'on a mis en vous, c'est comme une bombe qui avait le compte à rebours. Et le temps est déjà arrivé. On est en train de faire ti 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 ti. Tout ce que vous voyez dans les films, là, vous êtes ça. Et même plus encore. Tu vois que quand le fumier, il se soulève aussi, il vole. Et moi, je vais vous dire, oh, parce qu'on vous a dit dans l'avance que ceux qui volent sont les sorciers. Ok. C'est que tu es sorcier alors. Il y en a parmi vous, vous parlez avec les anges. Quand vous rêvez de quelqu'un, dans les jours qui suivent, il va mourir. Vous avez peur de vos pouvoirs.
Vous avez peur de découvrir ce qui est en vous. C'est pour ça que vous n'avez pas la paix. Vous avez suivi. C'est pour ça que tu n'arrives pas à dormir la nuit. Tu as compris? Tu as compris, non? Continue. On t'attend. Quand vous guettez mes vidéos, vous dites que oh, la femme, si elle énerve, elle veut que qui se lave avec le sel. J'ai mis la méditation. Il n'y a que quelques personnes qui sont venues. Vous devez apprendre à utiliser vos pouvoirs. Les premiers à devenir milliardaires avec leur pouvoir sont en train de monter. Écoutez-moi bien. L'ordre mondial a changé. On ne peut plus chercher le boulot chez quelqu'un d'autre. On crée. On manipule l'énergie. Quelque part, ça, votre corps picote parce que vous savez que c'est vrai, non? En passant, ça, c'est un peu le direct des plaintes. Si quelqu'un veut se plaindre de n'importe quoi, qu'il retienne ses doigts, ce qu'il veut l'insulter, c'est ce qu'il va, il va se désabonner sur ma page. Vos yeux sont en train d'être activés. Quand tu étais petit, tu voyais les esprits. Tu les entendais. N'est-ce pas? On m'envoie le jacquet. Je te touche seulement. Donc vous m'écoutez là, ça commence à venir. Toutes tes choses là, ça va revenir. Tu vas te lever le matin à 4h. On va te dire, appelle telle personne à 8h. Pas dans tel endroit. 15 millions tombent dans la journée. Tu vas apprendre à te faire de l'argent avec les ancêtres. C'est comme ça que tu souffres. On te parle, tu ne comprends pas. Il y en a parmi vous, c'est comme si vous venez même fou. C'est quoi, je m'appelle la tête. Et là, vous n'êtes pas écouté. Ils vous ont laissé vous partir dans les mariages où les, vos femmes là ont sucé vos pouvoirs. Je crois qu'elle n'avait pas vu ta richesse depuis longtemps. Elle était venue pour t'épouser parce que tu étais trop beau. Elle a vu ton étoile, mon frère. Chaque jour, sa mère était chez le marabout avec ton nom. Il fallait qu'on puisse. Il fallait qu'on puisse. On te suce. Tu vois, quand tu suces la sucette, la fin là. Comme ça qu'on te faisait. Voilà, la fin de la sucette là. Tu peux carrément voir le liquide coloré qui passe à travers la glace. Le pire c'est que tu t'accouches encore sur ça. On t'a divorcé, on t'a abandonné. On a pris les enfants. Le ngom n'a dit que tu le donnes à la maison. Tu as encore espoir. Tu es bête. C'était une distraction pour ton chemin. Continue ton chemin. Beaucoup d'entre vous, vous êtes comme moi. Ils me disent, vous dites que de la même façon qu'ils vous parlent de telle personne, la personne meurt, telle personne, la personne guérit. Croyez qu'ils vont vous donner pour l'argent aussi. Il y en a parmi vous, vous êtes dans plusieurs mondes. Vous savez même pas ce que vous dites, vous faites souvent. C'est pour ça que vous avez beaucoup de déjà vu. Beaucoup. Vous faites quelque chose, vous dites, mais j'ai déjà vu ça.
Edouard Fapou. Ça, c'est super. Je suis très contente pour toi. Parce que tu sais, Edouard, les choisis souffrent beaucoup. Les personnes qui ont les dons et les pouvoirs. Et la société s'est avancée pour vous décourager. Pour vous traiter de fou. Souvent, tu regardes, j'ai tout ça là. J'ai tous ces pouvoirs, si oui, alors l'argent. Ils sont retaminés dans la dimension de l'argent maintenant. Tu vas trouver le poisson qui a l'or dedans. Beaucoup d'entre vous, il y a activation dans les mains. Vos bras sont particulièrement cette nuit. Cette nuit. Il y a des nuits, l'esprit va te dire, va dormir seul. Tu ne dois pas être ton mari. Ne lui fais pas les problèmes. Va ailleurs, tu dors peut-être sur le canapé. Parce que tu seras visité. Il y en a parmi vous, vous pouvez avoir des visions. Certains parmi vous, ils vont devoir vous faire subir un accident pour que finalement vous décidez. Ou bien il te faut une rupture soudaine. Ou bien de tes enfants meurent. C'est ça ton choc. Certains d'entre vous, ils vous font un choc pour que ça vous réveille. Mais il me dit de vous dire, n'attendez pas le choc. Physique. N'attendez pas de perdre, n'attendez pas que quelqu'un vienne vous escroquer 300 millions. N'attendez pas que votre famille fils meure. Réveillez-vous maintenant dans le calme. Mais si vous ne vous réveillez pas, ne vous dérangez pas, ils vont venir vous réveiller. Ils vont vous secouer. C'est donc vous traiter de folle, vous perdez la mémoire. Beaucoup d'entre vous, ce sera plus fort que vous. Inconsciemment, vous allez commencer à vous activer cette nuit. Tu vas te réveiller même 4 fois. Tu vas avoir des... Tu vois, quand tu n'arrives pas, tu ne sais pas pourquoi. Tu es inconfortable. Tu sens en toi. Voilà. Ils sont en train de te visiter. C'est un... Certains parmi vous, vous devez agir dans l'urgence. Et vous avez de nouveaux dons qui s'ouvrent maintenant. Bon, ils me mettent en garde de vous dire de ne pas. Vous aimez trop aller, vous avez 50 conseillers. Vous avez consulté 50 charlatans. Il n'y a pas la folie. Ce sont les étapes d'activation. Certains d'entre vous, vous allez entendre la voix de vos anges très fort. Très fort. Je vais te demander, mais qu'est-ce qu'il y a quelqu'un là? Parce qu'au commencement, tu parlais avec eux. Sans souci. On t'a séparé d'eux. Tu connaissais tous les signes. Maintenant, ils sont en train de te rééduquer. On a tous des anges gardiens. Toujours. Tous.
Vous allez, certains vous seront conduits à beaucoup dormir ces derniers jours. Pendant que vous dormez, ils seront en train d'opérer votre corps. Ils vont enlever le stress. Non. Vous allez avoir des visions claires, des petites portions de sommeil dans la journée. Et certains, ça vous prenait souvent des heures pour passer d'un monde à l'autre. Maintenant, en une seconde, vous allez le faire. Tu vas rester comme ça là, pop, tu pars. Tu captures l'information, tu reviens. Vous êtes en train de devenir sensible au spirituel. Certains, vous serez très rejetés. Bonsoir, bonsoir. Vous allez être rejetés. Vos copains vous avez épousé parce qu'ils voulaient juste une femme de ménage. Mais vous aspirez à plus que ça. Donc, ils vont aussi combattre cela. Certains, votre pouvoir est en train de se réveiller. Your awakening. Vous vous réveillez. Vous ne connaissez même pas encore bien votre forme. Mais je vous informe que vous êtes grand. J'entends le mot 1,80 m, 2 m. Vous allez souvent manger. En mangeant, il faut les inviter à table. Laissez-vous balader parce que vous êtes en train de mettre une connexion. Vous êtes en train de remettre les ponts qui avaient été coupés depuis longtemps. Les ponts qui vous permettaient de fonctionner dans le naturel avec vos pouvoirs supernaturels. Sans avoir de problème. Ils vont essayer de vous faire peur. Ne les écoutez pas. D'autres même, ils vont vous donner, monter de nouveaux pouvoirs. Vous croyez que vous connaissez tous vos pouvoirs, mais vous ne connaissez pas. Ils vont révéler encore d'autres. Les choses que tu n'as même jamais imaginé que tu pouvais faire. Certains d'entre vous, vous restez sur ça là, vous entendez. Tu vois, quelqu'un reste comme ça, il prophétise à quelqu'un. Tu regardes, tu dis, waouh. Il me dit, je t'ai dit que maintenant, toi aussi, tu vas commencer. Tu vas souvent prophétiser comme ça, parce que toi, tu vas dire que c'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. Certains d'entre vous, ils vont vous manipuler. Ton corps va commencer à faire. Tu vas rester comme ça, tu vas dire. Je pars à Douala. Je pars à Bafoussam. Vous devez vous habituer. Certains d'entre vous êtes bloqués dans le boulot. Et. Ouvrez cette nuit, ils vont ouvrir vos oreilles spirituelles. Vous allez beaucoup les entendre. Il me dit de vous dire de ne pas avoir peur parce que vous avez de nouvelles propositions dans les jours qui arrivent. Prenez l'option qu'ils vont vous proposer, dites-lui. Ne dites pas non. Certains, vous allez être libérés, vos pieds, les chaînes sur vos pieds vont être libérées. Psaume 105. Quand le temps arrive, il envoie en délo les chaînes. Jacques, croyez en l'Éternel. Croyez. Mais je viens vous prévenir que ça ne ressemble pas à ce qu'on vous a dit. Ça ressemble pas textuellement à la Bible.
Parce que la Bible a les choses qui sont cachées. Et même si tu te dis de dire, tu ne dis pas, ils vont faire. Ils vont te pousser, tu vas faire. Ils vont vous pousser, vous allez faire. Il y a tellement d'énergie, j'essaie de capter vos énergies pour parler. Beaucoup de choses de tous les côtés. Donc, il y en a, on a enlevé les chaînes sur vos pieds. Vous avez les pieds qui se détachaient. Donc dans votre jeûne ou dans votre prière, mettez le psaume 105. Je crois que c'est parti du verset 20. On a défait ces liens. Voilà, vous lisez ça. Certains, vous allez avoir les dons comme si vous vous téléportez quelque part, vous voyez ce qu'on fait, comme si vous étiez une caméra dans l'endroit là. Et on vous téléporte, votre don de téléportation va s'activer. Tu restes quelque part comme ça, on te fait t'assoupir, on te dit dors. Tu dors 5 minutes. Et pas, tu vois quelque chose. Après, tu reviens. N'ayez pas peur d'être seul. Ou qu'on médise de vous. Parce qu'ils le feront de toutes les façons. Vous avez une nouvelle famille. On vous donne une nouvelle famille. Vous devez accepter votre nouvelle famille. Vous devez accepter vos nouveaux dons. Vos dons ne se pratiquent même pas comme vous connaissez là. C'est quelque chose qu'on doit tester. C'est pour voir chaque jour. On doit tester. Ça va augmenter. Vous devez verser, stériliser vos maisons du sang dans toutes les pièces. Ne négligez pas celle des enfants. Certains d'entre vous, vous vous êtes mariés. Votre mari a pris votre pouvoir. Il vous a beaucoup fatigué. Il vous a fatigué. Certains, votre belle famille a bloqué votre utérus. Et ils vous ont mis comme dans un cercueil. Je vois une femme dans un cercueil spirituel. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Ange Michael, avec ta lance. Je viens casser ce cercueil. Je commande la vigueur sur le corps de cette dame. Il y a même des gens qui vous ont volé. Ils ont volé dans vos entreprises. Ils seront démasqués. Ils vont partir. Ils vont faire la place au nouveau. Certains, votre voix va porter. Vous ne saviez même pas que vous étiez timide toute l'enfance. Vous allez commencer à faire les vidéos, les gens vont vous écouter. Votre voix sera écoutée à travers le monde.
Il me dit de vous dire que ce sont les principes religieux qui vont vous sauver. Je ne vous parle trop souvent de la dîme. Je vous parle de la façon de prier. C'est comme un cycle que vous devez compléter avant d'aller au prochain niveau. Il y en a parmi vous, beaucoup d'entre vous, vous ne payez pas vos dîmes. Ça fait une nourriture. Certains, il y a les mauvais œils. Ils ont des bouts de cristal pour vous voir. Chaque fois que tu avances un peu, on visse, tu descends. Tu avances un peu, on visse, tu descends. Même s'ils partent n'importe où, sur la terre, déclarons par la foi que leurs complots sont annulés. Certains de votre commandement va s'accentuer. Vous allez commencer à commander plusieurs entités. Avant, tu parlais, on ne t'écoutait pas, mais tu vas devenir très puissante. Quand tu vas parler, plusieurs sphères vont comprendre. Je vois une personne en fait qui commande trois niveaux. Trois, invisible, visible, sous-marin. Certains, vous êtes en train vous avez la promotion spirituelle. Donc vos pouvoirs sont en train de passer. Dans une autre dimension. Ça passe dans une autre dimension. Et sentez vous arriver depuis quelques jours, vous sentez bizarre. Je vous ai parlé de l'école de spiritualité. On va commencer ça le 7 plus tôt. Les sciences seront totalement dirigées par les ancêtres. Il y avait ceux qui guident de pouvoir, ceux qui vont dire de faire. Faites-leur confiance. Beaucoup d'entre vous écoutez seulement. Vous êtes comme devant la télé. Vous ne faites pas. Depuis qu'on t'a dit de laisser au boulot, là, tu n'as pas laissé. Non. Si tu ne laisses pas, il ne peut pas te demander comment faire l'argent. Il y a un gars l'autre jour, là, un de mes fils. Lui-même, il a dit qu'il veut démissionner. Ça a pris 6 mois pour qu'on lui donne sa démission. Sa famille a déjà tout dit. Dit que oh, c'est la fille de Facebook là qui t'a fait démissionner. Elle dit aux gens de quitter leur boulot. Je sais de quoi je vous parle. Vous savez que j'aime l'argent, non? Si il dit à quelqu'un de quitter son. Quelqu'un qui me paie la dîme, il te dit de quitter ton boulot pour rester sans boulot. Non? Non? La formation spirituelle ne sera pas en présentiel. Personne ne va venir chez moi. Tout ça à distance. Aie confiance en nous. Certains d'entre vous me disent que vous devez acheter une lance. Ou bien. Où est-ce que Saint-Michel porte là, ça? Le spirituel n'est pas. Le spirituel n'est pas. On doit arriver chez toi, on voit les choses spirituelles. Et beaucoup d'entre vous, chez vous, il n'y a rien. On t'a dit de déménager depuis longtemps, tu es tout là-bas. Tu n'es pas libre de pratiquer ta spiritualité.
Tu n'es pas libre de pratiquer ta spiritualité. Donc vous devez acheter ça. Ça fait là quelques jours, il me dit que ça fait quelques jours, il te parle de ça. Et tu dis si, tu vois même souvent ça en vision. Les choses qu'on vous montre, c'est pour acheter où? C'est pour faire où? Je sais que vous simplifiez trop. Vous devez nous écrire une bourse où vous voulez faire la formation. Il y a un questionnaire que vous devez remplir. Après, je vais juger si vous devez participer ou pas. En fonction de vos réponses, je vais vous dire. Ça va d'abord dans une chambre. Tu dois urgemment sortir de la maison là. Merci. Bon, terminé. Tout ce que j'avais à dire, j'ai à dire. Ceux qui devaient entendre, même si demain matin, ils vont entendre. Je vous ai dit de partir à la mer. Moi, je pars à la mer avec vous. Vous ne partez pas. Ne partez pas. Vous aimez quand vous force, non? Vous avez menti. Comme toujours. Aujourd'hui, je sors de la banque, une dame me voit. Un coup. Oh. J'étais sur la ligne. Tu te laves au sel. Non. L'autre jour à l'aéroport, je vois une autre assise. Je te suis en ligne, tu te laves au sel. Non. Qu'est-ce que vous voulez? Que les anges t'accompagnent pendant ton accouchement, Christelle. N'y aura pas de complications, pas de mort. Vous allez sortir sain et sauf. Tu vas accoucher par voie normale facilement. Pas de douleur. Au nom de Jésus. S'il n'y a pas la mer là où vous êtes voyagé, vous partez là où il y a la mer. Mais je vais continuer parce que ça va, sinon ça va se transformer en séance de réponse, question. Moi, je dois aller dormir. Si vous êtes nouveau sur ma page, écoutez mes vidéos. Je suis à Libreville samedi. Un arbre sans racines. C'est une question de temps avant qu'on se dessèche et qu'on tombe. Bonne nuit.